Bonjour Joël. Alors on se retrouve ici avec tout ce collectif de couturières. Tout le monde est vraiment au travail et ça fait plaisir à voir. Parce que cette année, à la pastorale de Saugis, il y a une grande nouveauté. Il y a une création tout à fait originale. On a appelé ça le pastoral kit. Ça veut dire en fait que ça s'adresse aux personnes qui vont venir sur le spectacle. Oui, c'est ça, tout à fait. J'espère qu'on aura du succès et qu'on va arriver à convaincre les gens de passer 3 heures de pastorale confortablement assis. Avec ce sac qu'ils vont porter en bandoulière avant le début de la pastorale, ils pourront insérer une bouteille d'eau, qui sera très utile parce qu'on espère qu'il fera beau, bien sûr. Et l'élément indispensable et incontournable de cette pastorale, c'est le livret qu'ils pourront insérer dans le sac. Le livret, il va à cet emplacement, ici. Voilà. Et ensuite, la bouteille à côté. Et voilà, le kit est terminé. Et une fois que le spectacle commence, en fait, on s'empare du livret pour pouvoir suivre tranquillement la pastorale. On prend sa bouteille d'eau à côté. En espérant qu'il fasse très chaud. Et pas trop quand même. Et on s'assoit sur le pastoral kit. Voilà, tout à fait. En espérant qu'ils seront bien installés. Bah, c'est génial. C'était une idée des jeunes de Saugis Trois-Villes. Le premier prototype a été mis au point par Marguerite. J'ai eu un cahier des charges. Assez précis. Déjà, ils avaient bien travaillé, le bureau avait bien travaillé là-dessus. Il fallait qu'il y ait le livret, la bouteille d'eau et qu'il y ait une bandoulière. Bon, après, à moi de choisir les tissus et le format. Après, j'avais proposé deux kits, un carré et un autre rectangulaire. Et c'est celui-là qui a été retenu. Si tu vois pas, c'est que c'est bien fait. Non, non, non. Enfin, c'est quand même une mise en œuvre assez intéressante et importante. Ah oui, mais on est bien aidés, hein, comme vous pouvez le constater. Il y a du monde ici, il y en a là-bas. Et puis, elles viennent vraiment très, très régulièrement. Ah oui, ouais, vraiment, on est bien aidés. Oui, oui. Ceci dit, pour arriver à la réalisation de 1000 pastoral kits, ça représente des heures et des heures de travail. Le temps presse, bientôt le couturier va arriver aussi. Oui. Est-ce que tout ça va pouvoir se mener de front? Ah ben on espère bien. Bon, moi je suis optimiste. Oui, oui, il n'y a pas de raison, on avance bien. Les premiers kits, là, ben, on est mi-mars. Je pense qu'aujourd'hui, on va en avoir 100 de fait sur 1000. Bon, terminé. Et puis... Oui, je pense que chaque semaine, il va en sortir. Après, là, on avance. Il me semble que la deuxième partie est peut-être un peu plus rapide. Les coutures sont plus longues, il y a moins de petites coutures, etc. Donc, ça va avancer un peu plus vite que ce qu'on a fait jusque-là. Alors pour toutes ces couturières qui sont venues vous rejoindre de manière bénévole, hein, comme dans toutes les pastorales, il a fallu leur expliquer en fait le cheminement pour arriver d'un point A à un point Z. Oui, alors pour ça, on a beaucoup travaillé avec Marguerite avant même de les rencontrer. On a créé une procédure, on a écrit toutes les tâches nécessaires pour réaliser ce kit. Ça permet... à toutes les personnes qui sont là de travailler, soit de piquer à la machine, soit de coudre à la main, soit de positionner du tissu avec des épingles, soit de retourner des sacs. Ça permet de donner du travail à tout le monde. Toutes les bonnes volontés sont attendues et seront bien accueillies. Voilà. On s'est engagé sur 1000 kits. C'est énorme. Oui, c'est énorme, mais bon, pour l'instant, on garde le moral. Bon courage, il n'y a que des bonnes élèves là, non? Ah oui, il n'y a que ça. Infatigables elles sont. Volontaires et infatigables. Alors en général, toutes les bonnes volontés que l'on a croisées, ça se termine toujours par une plancha. Ici, il n'y a pas de plancha, mais il y a quoi? Il y a thé et petits gâteaux? Voilà, on fait une pause à 4 heures parce que quand on a déjà cousu pendant plusieurs heures avec le bruit des machines à coudre, on fait une pause, on s'arrête, ça permet de se lever de sa chaise, de boire un coup, voilà, de se dégourdir un peu les jambes. On est gâtés. Il y a de bonnes pâtissières et oui, il n'y a pas de souci. Bon, mais on va rester pour le 4 heures alors. Voilà, ben oui, on vous invite. Hein.